Bienvenue dans la dernière séance du cours Lean Management pour la SCM et amélioration des performances industrielles pour la troisième année génie industriel et logistique de l'ENSEM. Nous sommes le 26 novembre 2020 et nous allons faire un enregistrement de 45 minutes. On va dire, je vais demander, il est 14h26, donc on va arrêter à 15h. À 15h15 pour prendre une petite pause et je vais vous demander de m'arrêter quand on arrive à 15h15. Donc, je vous rappelle qu'on était en... est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que Oui, madame. oui, très bien. Oui, madame. Donc, je vous rappelle un petit peu, je vous demande de relancer. Là, je vous rappelle Finkenna. عقلت اللي كنا خدامين في ديك ليتود دو كا ديال سميت هذه كنا باقي ما ساليناها دونك ديال لا ماتريس هوشين الى عقلتو ندير لكم ان بتي رابيل دونك فوسي لا ماتريس اللي كتسمى لا ماتريس ا 3 اكس ماتريس ا 3 اكس ا 3 اكس او بلوتو لا ماتريس هوشين ا 3 اكس هوشين ا 3 اكس دونك ici alors ici, donc, dans ce slide, je vous fais un petit rappel. Hoshin, ou la matrice Hoshin A3X est un outil de visualisation et de communication dans le cadre du Lean Management, dont l'objectif est le déploiement de la stratégie de l'entreprise ou bien de la politique. D'ailleurs, on l'a traduit. Déploiement de la stratégie ou le déploiement des objectifs. Par exemple, le système production Renault qui se met à DOPA, c'est-à-dire déploiement des objectifs et plans d'action. Excusez-moi, je vais m'absenter 2 minutes et je reviens. Stay tuned. En attendant, lancez vos documents et essayez de lancer le matrice, l'Excel Dieco. Ou haoulou t'croche kna delna. Je n'ai pas de salut, d'accord? Je reviens dans 2 ou 3 minutes.
Oudna. Alors, donc je vous rappelle les chebeb. Est-ce que je vais me présenter, Beda? Dites-moi, je présente, vous êtes supposé être 25 ou 26. Comment se fait-il que les étudiants ne soient pas là? Ok. Ils ne sont pas au courant qu'on a une séance de rattrapage de lunettes. Et quand même, je Oui, suis comme apparemment, madame. l'emploi du temps, relativement, ça touche les cons. Si. Donc, faites, je m'en coule, mais qui n'a pas de chouette, fait comme logisticien. C'est pas possible. C'est incroyable. Donc, vous avez bien reçu la mise à jour de l'emploi du temps, Yek? Oui, Si, madame. oui, quand même. Oui, madame. Mais c'est une séance importante. Toi, j'ai une enquête à suivre et de prendre. Elle m'a dit que la séance. Elle m'a dit la séance. Elle m'a dit que Donc, je vous rappelle que le Rushing Canary et le Matrice est un outil de visualisation et de communication dans le cadre du Lean Management qui permet d'assurer une communication à tous les niveaux, qui assure le déploiement de la stratégie, les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Alors ici donc les niveaux hiérarchiques. Donc je vais essayer d'écrire. Je sais pas si je peux écrire avec un système. Comment on écrit ce qui dit logique souvent? Éditer peut-être. Tape du texte. Bon, allez, moi je vais juste me faire parce que ça me dépasse. Moi, il m'aligne. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par des missions. Les missions sont gérées par le top management, sachant qu'il y a au-dessus du top management, il y a le PDG, une seule personne qui donne une vision. Alors le PDG, cette vision, on en a déjà parlé la séance précédente, est traduite en mission. Donc mission top management. Et il faut ajouter ici top management, je ne sais pas comment l'écrire, mais je voudrais bien l'écrire. Mais je n'arrive pas à écrire. Alors, donc, il y a une matrice ici, Rochine, qui permet de traduire les missions en stratégie. Donc, les stratégies au niveau du senior management. Donc, c'est notre exemple ici. Donc, regardez. Ici, head le X, head la partie Inaya, head la partie de la matrice. Je les missions. Inaya, dans l'exemple, trois missions, encourager le développement des employés, créer la richesse des actionnaires, améliorer l'efficience opérationnelle. Et il y a trois indicateurs, ou là plutôt trois objectifs au niveau de la mission, et qui sont exprimés de manière quantitative. Alors, exprimés par les chiffres, augmenter on time to. On time delivery de 78% à 86%, augmenter le retourné sur investissement de 8% à 13% et améliorer le taux de satisfaction du personnel de 80% à 95%. Donc ça, c'est au niveau, c'est un objectif, au niveau du top management. Donc dans l'exemple, je vous rappelle que les personnes qui sont au top management ici sont Joe Scott, Alice Seitz et Pete Max. Donc nous calculons aussi un à chaque mission, on lui accorde un taux d'importance qui va de 1 à 5, uniquement au niveau de la mission. Ici, par exemple, encourager l'employé, le développement des employés, c'est un taux à 5. Alors, voilà, donc on a les missions, on dit le top management, on dit les indicateurs, on dit actuel, il y a même la situation initiale, la situation désirée. Voilà. Donc, par le biais de réunions, justement, c'est ça l'objectif, c'est d'assurer une communication, donc il y a deux processus du rushing, le catchball, deux mots-clés, le catchball et le consensus. Donc, le processus catchball et le consensus, c'est de moi les deux
voilà. Fundamental aspect of machine curry is a consensus building process termed catchball. Donc, c'est un processus de construction de consensus qui se met au catchball. This is an iterative process of discussing and debating plans and targets at each level. This process requires continuous communication at all levels in the organization to ensure the development of appropriate targets and means of achievements, as well as their deployment. Performance measurement is based on self-assessment against identified targets and plans. Donc, il y a le concept de catchball, qui est aussi le concept de self-assessment, c'est-à-dire l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. L'auto-évaluation, comment on l'assure? On l'assure à chaque niveau hiérarchique, connaît ses objectifs chiffrés. D'accord? Donc, tout ça, c'est des rappels, parce que j'en ai déjà parlé, c'est juste pour vous remettre dans le bain. Donc, il y a qui les stratégies de senior management. Alors, cette matrice Machine Curry aide la stratégie, aide la partie stratégie avec les objectifs. Et là, va alimenter la matrice au-dessous plutôt. Donc, il y a l'input. L'input, ça va être la stratégie ou l'output, moi, les objectifs. Les objectifs sont au niveau, on va dire, les objectifs tactiques au niveau du middle management qui eux-mêmes vont être un input de la matrice suivante qui est au niveau inférieur. Qui traduit les objectifs tactiques en but opérationnel. Et finalement, la dernière chose, c'est le plan d'action. Donc, il y a la hiérarchie, dit le header. Dans cet exemple, bien sûr, on fait une seule matrice liée à la matrice supérieure. Donc, mission, indicateur des missions, qui est traduite en stratégie, en indicateur ou en objectif stratégique. Donc, donc on va essayer de continuer. Oui, c'est une calcom aussi que calcom aussi dans l'exemple NRU, elle dit elle les stratégies qui est proposée via des brainstorms et des réunions le top management mais les dirigeants stratégiques ici c'est Fritz Meyers, Al Peters, etc. etc. permet donc ces réunions et c'est une réflexion de les corrélations qu'il y a entre les stratégies et les missions. Donc, je vous rappelle que les corrélations étaient, voilà, donc c'est ça, les corrélations, au niveau de corrélation. Je vais les mettre ici pour les garder à côté. CTRL V, il n'y a rien. Alors, comment je vais faire pour... bon, allez, ça se voit, donc, je vais le symbole. Il y a, j'espère, on va faire que le il y a un taux de 9, high correlation, rate of contribution, ou le S-circle simple, c'est un taux de 3 medium correlation or rate of contribution, et un triangle, c'est 1 low correlation or rate of contribution. Donc voilà. Donc, ici, on a réfléchi sur le niveau de corrélation qui est entre les stratégies et les missions, et on a reporté cette information. Ici, dans cette matrice, donc on retrouve ici les corrélations 9, 1, 3, etc. Et à partir de ça, avec une formule simple, à partir des taux d'importance des missions, nous avions calculé les taux d'importance des stratégies. Alors, si vous ne vous souvenez pas, il suffit de revenir à la séance précédente. Donc, je continue les indicateurs. Donc, l'indicateur gestion efficience des approvisionnements matières. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'était la matrice suivante. Ici, c'était Manage Material Supplies Effectively, Fritz Meyers, de 2 fois par mois à 6 fois par mois. Et l'indicateur, c'est le nombre de rotations de stock. J'espère que c'est ça. Augmenter le nombre de rotations de stock de 2 fois à 6 fois par mois. Donc, Manage Customer Expectations, c'est-à-dire gérer les attentes des clients. Le responsable, c'est Al Peters. On time to customer request dates, la séance dernière, la définition d'IELA. Donc, on time to customer request dates, revenez à la séance, l'indicateur, qu'est-ce que ça veut dire, de 5 à 20 jours. Donc, on va l'appeler OCRD, bon, par exemple. Donc, comment je vais l'exprimer? Augmenter OCRD, donc, augmenter. OCRD de 5 jours, de 5 jours à 20 jours.
À 20 jours. Voilà. Alors, ensuite, le troisième indicateur, planification efficiente des ressources manufacturières. L'indicateur d'ILH, c'était quoi? C'était réduction des work in progress, c'est-à-dire réduction des stocks en cours, de l'équivalent de 50 jours à l'équivalent de 30 jours. Donc, réduire WIP de 50 à 30 jours. Réduire WIP de 50 à 30 jours. Alors, rien le fait d'exprimer le stock, le work in progress en nombre de jours, on l'a vu dans la VSM. Alors, l'indicateur suivant, c'est quoi? Donc, Develop Business Process Tools. Donc, le nombre de pas d'amélioration de 68 à 120 par an, par exemple, annuel. Donc, augmenter le nombre d'améliorations Kaizen, par exemple, de 68 à 120. De 68 à 120. Les Kaizen Blitz, si vous voulez, ça s'appelle des Kaizen Blitz, c'est-à-dire des événements Kaizen. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail de Kaizen. Manage Finances, augmenter le profit brut de 22 à 35 millions de dirhams, par exemple. Alors, augmenter le profit brut. Le profit brut de 22 à 35 de 22 à 35 millions de dirhams annuels. C'est quelque chose de c'est un indicateur financier. Create an environment that motivates. Donc, on retrouve ici l'indicateur qui ressemble à l'indicateur supérieur, il est Employee Opinion Survey, mais à un niveau hiérarchique inférieur. Donc, améliorer le taux de satisfaction personnelle. TSP de 80 à 95%. Je vais l'écrire ici. Améliorer le TSP de 80 à plus de 95%. Et finalement, dernier indicateur, c'est turnover, nombre de rotations de personnel, improve employee morale, donc de 14 fois à 25 fois par alors 14 fois, plutôt 14 personnes à 25 personnes par an. Turnover. Donc, augmenter le turnover, augmenter le turnover de 14 à 25 par an. Alors, bon, une manière d'expliquer l'indicateur qui peut sembler bizarre, normalement, vous devriez me poser cette question, parce que ça semble quand même bizarre. Y arriver, inchallah. Bon, allez, là, turnover, voilà. Donc, normalement, vous devriez me poser la question, Ousteda. Pour comment se fait-il que l'amélioration du moral de l'employé, des employés, fait l'objectif? Bon, le turnover de 14 à 25, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais j'espère qu'on est sous le dessous, elle, mais sinon, c'est pas grave. Donc, continuons. Et finalement, toujours pour expliquer, il y a de la partie qui n'est pas là. De la partie de la matrice qui n'est pas là. C'est tout simplement, ici, je vais écrire les team members, tout simplement. Les team members qui sont reliés aux stratégies. Par exemple, la stratégie gestion efficience des apprends matières, le responsable d'ILHA, gestion
Management risk plus effectivement, il y a Fritz Myers. Donc, je vais l'écrire ici. Parce que je ne suis pas dit petit, je suis efficience des apprends matières. Donc, bon, on est de l'année. D'accord. On dit l'année, je suis quand même mettre la règle. Donc, je dis non, c'est Fritz Meyer. Donc, ici, c'est Fritz Meyer. On va supposer que c'est le approvisionnement, c'est le responsable logistique de l'entreprise, par exemple. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre, au lieu de mettre le nom, mettre la fonction responsable logistique, etc. Alors, Vinaya, donc, manage customer expectations, le responsable, il y a Al Peters. Donc, le responsable service clientèle, maintenant. Elle, il s'appelle Al Peters. Alors, Andinia Lily Thomas, il y a la responsable de la stratégie Effectively Plan Manufacturing Resources. Alors, je vais écrire ici. Responsable des installations. It is. Donc, elle s'appelle Lily. Elle s'appelle Lily Chihaja. Donc, Earl Jones, Develop and Improve Business Processes. Donc, le responsable administratif. Responsable administratif. Donc, il s'appelle Earl Jones. Alors, effectivement, Plan of Resources, Development Improve Business Processes. Manage Finances, donc le responsable. Le responsable financier. Le responsable financier s'appelle Ken Alors, le responsable financier est Create an environment that motivates Don Summer. Alors, création d'un environnement motivant. Tu es responsable ressources humaines. Bon, on est responsable RH. Responsable RH, Paul. Social, je ne sais pas quoi. Et Alga Oksky. Il est responsable RH, mais Paul Mathélène, compétence. Voilà. Voilà. Donc, juste pour vous dire, il y a un autre. كنحط لي هذا سميتو لي بيرسون كي سون لي تيم ممبرز ديال هاد لو بلان داكسيون ا سو نيفو لا الوغ ايسي اكاونتابيليتي هنايا اكاونتابيليتي هي كانت هنايا نقلب عليها اكاونتابيليتي هنايا سي دادير شنو هي العلاقه ديال هاد لا بيرسون مع لا استراتيجي الوغ لا بروميير علاقه هي اون فو غاردي لو ميم symbole d'un cercle avec un point. Alors regardez ici, je dis strong correlation or team leader. Donc dans le cas de teams, accountability, c'est-à-dire les responsabilités, donc team leader. Donc tout simplement, je vais utiliser le même symbole pour dire ici que Fritz Meyer voit le team leader d'il Heda, Al Peter ou le team leader d'il Heda, Lily est la team leader d'il Heda, Jones ou le team leader d'il Heda, Trives ou le team leader d'il Heda, Masmit ou Don Summer ou le team leader d'il Heda, et Koski est le team leader d'il Heda. D'accord, ok. Donc ça, c'est les team leaders. Après,
On peut s'amuser à supposer, je vais juste supprimer ça pour diminuer la matrice. Mais, donc, oui, là, c'est accountability. Donc, Néa, je suppose Néa, au moins les personnes qui vont participer, on peut avoir d'autres hein, participer, mais on va supposer Metzelen, je vais faire un. Hein, le symbole, donc il y a trois situations pour le team. Il y a soit la personne est team leader, soit elle est core team member, c'est-à-dire un membre principal de l'équipe de travail pour la stratégie. Ou bien avec ce symbole-là, rotating team member, c'est-à-dire un membre de l'équipe non permanent. Non permanent, il va intervenir ou l'équipe de manière permanente. Donc, on va s'amuser à affecter, juste pour l'exemple. Ça, ce sont des choses qui se font dans le cadre des réunions d'entreprise, des brainstorming. D'accord, donc on n'est pas supposé deviner, mais on va faire juste pour illustrer. Mais Hélène, je vais supposer que la stratégie gérer des approvisionnements en matière, je vais dire, head of the team leader, ou je voulais dire, ah non, mais Hélène, je voulais messager, ah non. Mais c'est Lily. Lily, mais Hélène, elle est très bien en tant que responsable des installations, très bien en tant que, bon, on va dire que rotating team member, mais Hélène. Donc, rotating team member, intervenez maintenant. Je suis de manière constante, mais. Ok, Lily, finalement, Lily, Lily, dit intervenez maintenant. On va supposer que de manière. On va supposer que, je sais pas moi, responsable RH pour compétences, attends, je suis dit le il va intervenir. Il va intervenir and Lily. And Lily, alors, le petit chouïa, Algokski, dans la stratégie à pro matière, il va intervenir de manière permanente. And Lily aussi, il va intervenir de manière permanente. Donc, finalement, Lily, je peux dire. Lily, est-ce que dit Lily? Lily, que dit planification efficience des ressources manufacturières? Ou aide pour les compétences rédigées à Ounal et à Nobul, il développer les compétences dans les domaines. Quoi. Vous avez compris que je suis en train d'illustrer une affectation des tâches dans les différentes stratégies. Donc, toutes ces personnes-là, Metzelen, interviennent dans toutes ces stratégies-là, soit en tant que core, que team leader, soit en tant que core team member, soit en tant que rotating team member. Donc, je répète, core team leader, on va le traduire, core team member, on va le traduire comme étant un membre de l'équipe permanent et rotating team member, on va le traduire comme étant un membre de l'équipe non permanent. Voilà. Donc, Annie, j'ai terminé l'explication de la matrice Hoshin A3X. Donc, j'ai fait plus rapidement que ce que je croyais. Bien sûr, c'est normal parce que normalement, le cours, on communique beaucoup plus que ça, qu'il y a toute une discussion sur ça. Mais comme je suis en train de parler toute seule, c'est normal que ça se passe très, très rapidement. Donc, même si j'ai tout à l'heure vous ai dit qu'on allait faire 45 minutes, je vais arrêter l'enregistrement pour peut-être.